Bonjour, solidaire d'abord, sur Fréquence 7, émission de résistance. Aujourd'hui, nous aurons Jean-Claude qui nous parle de l'inconséquence de Macron et du capitalisme. Marie-Claude et Denis sur l'entre-soi des dirigeants de tout poil. Jean-Louis sur les politiques et les chiffres de la santé depuis le plan Marshall. Et une annonce de Christelle. Mais d'abord, Jean-Claude. Bonjour à tous. Ici Radio Londres, en résistance contre le Covid-19 et contre ces politiques ultralibérales mondialisées qui nous ont conduits à ce triste confinement. Depuis le début de la crise, on nous mène en bateau, sur les masques, le gel, les tests, les traitements, les respirateurs, les lits de réa. L'exécutif n'a pas de stratégie, pas de plan. Pas de solution. Il n'y a ni pilote, ni moteur dans ce bateau. Chaque soir, on compte les morts et on applaudit les soignants. Bien. Mais jusqu'à quand? Macron nous fait ses beaux discours guerriers. Ça nous rappelle même Hollande contre la finance. Mais dans la pratique, peu de choses. Heureusement qu'il y a encore l'hôpital public et tous ces obscurs soutiers de l'ordinaire pour maintenir le pays en vie. Chauffeurs, livreurs, caissières, soignants, agents des services publics et plein d'autres, anonymes mais essentiels. Il faudra s'en souvenir. Finalement, les premiers de cordée ne sont pas ceux que l'on nous a vantés. Par contre, on a eu droit à l'état d'urgence sanitaire, pour 2 mois au moins, qui permet au gouvernement de prendre des mesures de soutien à l'économie par ordonnance. Cette urgence permet donc des mesures d'exception dérogatoires au Code du travail, sur les horaires, les congés, les droits de réunion, le statut des salariés. On a là quelque chose qui ressemble à la stratégie du choc, celle du capitalisme du désastre évoquée par l'américaine Naomi Klein. La crise permet alors au système capitaliste de renforcer l'autoritarisme du pouvoir et de réduire les capacités de réaction du peuple. D'autant plus que la crise économique globale qui nous attend à la sortie inquiète les services de renseignement qui craignent une radicalisation des mouvements sociaux. Les stocks de munitions de l'intérieur, grenades, LBD, avaient été refaits à l'été 2019 pour près de 20 millions d'euros. Hélas, pas ceux des masques FFP2. Courant avril, l'intérieur a même commandé plus de 600 drones de surveillance pour quelques millions d'euros supplémentaires. Rassurez-vous, braves gens, on vous aura à l'œil. Encore plus si l'application de suivi Covid par smartphone est adoptée. Juste manière de rire, on pourrait dire que le pouvoir est démasqué. Nous allons prendre un petit temps avec Marie-Claude et Denis sur l'entre-soi des gouvernants et de la Macronie en particulier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entre-soi de nos dirigeants politiques et de la manipulation dans les discours de ceux-ci. Alain Touraine, sociologue réputé dans le milieu de la social-démocratie de Michel Rocard, est ni plus ni moins le père de Marisol Touraine qui, elle, a été ministre de la Santé dans le quinquennat de François Hollande. Elle a fait rentrer dans le cabinet de Jérôme Salomon Gabriel Attal, meilleur ami de sa fille, et Benjamin Griveaux, proche des réseaux strauss-kahniens. Comme ces deux-là n'avaient jamais travaillé dans le domaine de la santé, ils ont fait rentrer Olivier Véran, qui a effectué une mission pour eux. Sous Hollande, déjà, à l'époque, tout ce petit monde était dans la sphère politique. Oh là là, c'est loin des perdreaux de l'année. Quand vous n'êtes pas compétent et que vous pensez que finance, ça peut amener à des situations catastrophiques et uniquement une gestion comptable qu'impose Bercy. Destruction des plans épidémiques mis en place par les quinquennats précédents, notamment par Xavier Bertrand. Application d'une logique managériale
qui a dévasté nos hôpitaux. Réduction des coûts à tout prix. Combien de fermetures de services? Combien de lits ont été supprimés? Combien de personnels ont été remerciés? Combien d'argent alloué à moins chaque année? Tous les sacrifices faits par nos anciens pour le réseau de santé est menacé par des décisions uniquement comptables. C'est le gouvernement Fillon, Premier ministre, qui a commencé la destruction. L'entre-soi fabrique une corruption active des personnes qui se vendent contre des avantages. Il y a une grande porosité entre le secteur privé et le secteur public, ce qui leur sert bien, je trouve, pour se faire un réseau. Par exemple, Benjamin Griveaux, en 2016, travaillant chez Unibail-Rodamco, le plus grand bailleur de logements et aussi d'édifices institutionnels, ce qui lui permettra de rendre des faveurs à Macron pendant la campagne présidentielle 2017. Pour avoir des infrastructures pour un énorme meeting à Versailles à prix réduit, Benjamin Griveaux sera nommé secrétaire d'État sous le quinquennat de Macron. On peut citer aussi le cas de la polémique sur l'apéro festif organisé sur la péniche La Plateforme. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, le 7 septembre 2016, avait réuni les militants lyonnais d'En Marche. Cette péniche a été facturée 785 euros au lieu des 3000 euros habituels. À l'époque, les journaux Le Monde et Mediapart avaient déjà relevé des ristournes importantes consenties à l'équipe macroniste pour l'organisation des meetings, notamment à Lyon, de la part de la société d'un proche de Gérard Collomb. Et par hasard, ce monsieur a été nommé ministre de l'Intérieur. Il a démissionné pendant la célèbre affaire Benalla. Ce même Benalla avait été empoché pour la sécurité du président. On se rappelle du 1er mai 2018 et de son gros dérapage et de son excès de zèle. On ne peut que regretter la lenteur de la justice. Et vous vous rappelez de la célèbre phrase de Macron qui prend sa défense le 24 juillet 2018 ? S'il veut le responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Ah oui, il ferait bien de l'appliquer dès maintenant, au lieu de se défausser et de se planquer derrière les scientifiques. En l'absence de compétences, le recrutement se fait uniquement par des réseaux de fidélité et votre pouvoir de rendre des services. Certains passent facilement d'un ministère à un autre lors d'élections présidentielles ou de remaniements ministériels. Cela amène à prendre décision sans avoir aucune capacité à ensuite les justifier ou les expliquer. D'autre part, dans plusieurs discours de Macron, ce dernier parle de guerre et de héros. Qui héroïse, qui divinise, s'apprête au sacrifice. C'est une grande leçon que les Grecs nous ont donnée et qui devrait nous faire réfléchir. Nous sommes en train d'envoyer ces soignants, mais aussi les riens, les gueux, dont ce gouvernement n'avait que faire avant, qui a tout fait pour les mettre sous silence. Et maintenant, Macron leur adresse des louanges, car ce sont eux qui font tourner l'économie du pays. Ils sont loués par ce gouvernement, loués par la Macronie, loués par des personnes qu'ils n'avaient jamais considérées. Quand vous héroïsez quelqu'un ou le préparez au sacrifice, il se sent obligé de faire ce que vous lui demandez. Tous ces soignants, ces travailleurs de l'ombre, ces petites mains, vivent une situation anormale pour préserver le capital politique de ces dominants. Certains de ces éléments proviennent d'une vidéo de Juan Branco, Démocratie et vérité, où dans la seconde partie, il dénonce les pressions qu'il a eues après l'affaire Griveaux, alors qu'il intervenait en tant qu'avocat de Piotr Plamensky. Il nous explique les manipulations que peuvent exercer les dominants. Comment peut-on encore être crédible et pouvoir se regarder dans une glace? Comment ose-t-on encore parler à la télévision? Comment peut-on se dédouaner de toutes ses responsabilités lorsque l'on voit s'abattre cette pandémie? Comment peut-on faire une réunion avec les ministres concernés par le coronavirus et le lendemain passer le 49-3 pour la réforme des retraites? Qu'il se lève et qu'il se casse. Ni amnésie, ni amnistie. Merci pour cet état des lieux, Marie-Claude et Denis. Et maintenant, excusez la qualité du son pour une interview de Jean-Louis avec un peu de vent. Alors Jean-Louis, tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui exactement? Ben, c'est pour essayer de montrer comment s'est amaigrie toute la politique française autour
de la politique de santé. Il n'y a pas que les masques. Hein. Et ça, tu veux remonter à quand ? On peut remonter même au plan Marshall, parce que c'est le plan Marshall qui a parachuté cette politique d'optimisation maximale des dépenses. Au plan Marshall, donc les Américains. Alors. Les Américains qui ont pollinisé, c'est un tel bruit, j'ai trouvé le mot très important, ont pollinisé la politique française. C'est vraiment pas une religion, mais tout un processus qui maîtrise complètement les sorties pour avantager évidemment les actionnaires. Donc être dans un partenariat qui leur convienne. Ben, le but même actuellement, le but de Macron par rapport au plan qu'il avait sorti juste avant la crise, là, c'est vraiment la politique du public-privé. Oui. La politique de santé devrait passer complètement au privé. Alors il y a un couillon, je ne sais pas si c'est LRM qui a sorti ça, c'est le gars de Franche-Comté, qui a dernièrement, il a sorti le plan que lui avait parachuté l'administration de Macron. Hein. Et là, il s'est fait jeter. Le Premier ministre est monté en liste. Non, pour l'instant, tout est gelé, on fait pas ça. Hein. Parce que ça supprimait des lits, ça supprimait des... Il ne demandait pas. À mon avis, ou bien il est con, ce qui est possible, hein, de toute façon, il y a des cons partout, il y a quand même Macron. Je crois qu'il avait une parachuté à la façon de ma tante, et paf, tu obéis et tu y vas. Mmh. Et donc, il a sorti. C'est peut-être des bureaux chez lui qui ont sorti, j'en sais rien. Et qui s'obéissent quand même aux directives des grands chefs et aux directives qui sont la suppression des moyens, parce que ce sont des dépenses, au profit d'autres dépenses qui sont pas du tout publiques. Alors tu avais tout un calendrier là, que tu voulais reprendre. Ben donc il y a l'histoire, je parlais des Américains au début, plan Marshall et compagnie. Mais ensuite, le premier est sur le plan de la santé. Le premier truc, c'est Alain Juppé en 95, on s'en souvient de ça, en 95, qui a attaqué la sécurité sociale. Il fout rien, il dépense, etc. Un pognon de dingue, quoi, déjà. Oui, bien sûr. Alors, donc, il a passé des objectifs de gestion, c'est toujours pareil, objectifs de gestion aux différentes caisses. Ensuite, il y a la loi Loft, la loi de finances Loft en 2001, qui pose un cadre qui contraindra toutes les lois de finances à venir. Loft, alors, c'est Loft L-O-L-F. Sarkozy a approfondi, évidemment, quand il était au pouvoir, en 2007, a approfondi le mouvement avec la révision générale des politiques publiques, RGPP, en organisant des fusions, des regroupements. Voilà pourquoi il y a deux lits dans une pièce, un suffit. Regroupement, suppression des services de l'État, il n'y a pas que, évidemment, que la santé, mais il poussera le. Alors, Sarko, il est encore pire que Macron. Il a poussé le vice jusqu'à noter ses propres ministres. Autrement dit, si le gars n'avait pas réduit suffisamment ses dépenses ou les sorties, hein, paf, il avait une mauvaise note, je ne sais pas ce que ça impliquait par la suite. Mais enfin. Ensuite, alors c'est une nouvelle, là ils avaient Cantos Freni, donc la loi de la quantité, quoi. C'est l'histoire qui a débouché sur les agences régionales de santé, hein, avec en haut. C'est un administratif, c'est plus un to-be, un truc qui est là pour serrer les plombs, serrer les machins. Une personne était issue du secteur privé. Le soin de redessiner, ça c'est Emmanuel Macron qui leur a donné le soin, de redessiner les contours de l'État, c'est le comité CAP 2022. Alors c'est celui qui maintenant, soi-disant, d'après ce qui a sorti, on s'est mis à la poubelle pour l'instant, on réfléchit. Quoi. Ensuite, depuis le début, cette idolie gestionnaire qui contraint les dépenses publiques et organise le recul de l'État. Alors, décentralisation, en fait, qui a été entamée bien avant, en 1982. Mais c'était exactement ça, décentralisation entamée. Tu confies un certain nombre de dossiers à certains qui sont dispersés dans les ministères et autres, et ensuite, tu notes mal ceux qui font pas le boulot, qui font pas la restriction, et tu notes bien ceux qui avancent et qui restreignent, comme le mec dont on parlait tout à l'heure, dans la santé, dans le Grand Est. Donc, décentralisation. Ensuite, évidemment, ça aboutit petit à petit à l'ouverture à la concurrence. Dans les EHPAD, il y a des milliers d'EHPAD, avec des tarifs, évidemment, très variables quand même. Et dans le temps, il y avait quand même dans les hôpitaux, et ça a traîné pendant longtemps, comment ça s'appelait ? Les longs séjours. C'est les gens qui étaient en fin de vie et qui ont gardé là l'hôpital. Donc, évidemment, et ils ont supprimé les longs séjours, et c'est là qu'ont été créés les EHPAD.
Et là, ça a vachement optimisé le truc de la gestion des anciens. Alors, optimiser la gestion des anciens. Bon, grâce à l'Europe, tu nous fais un comparatif Allemagne-France ? Lits d'hôpitaux, hein ? Des lits d'hôpitaux, oui, parce qu'en 1991, nos deux pays, là, avaient presque la même densité de lits. C'est étonnant, quand même, hein ? Tu avais à peu près 10 lits pour 1000 habitants en Allemagne et presque 10, c'est-à-dire 9,6 en France. Donc on avait moins. Il y a eu une diminution de 21% en Allemagne, 48% en France. Alors, c'est pas pour prendre l'Allemagne en modèle, hein, mais on peut affirmer que les politiques sanitaires en France, suite à cette suppression de lits, ont limité la casse en réduisant l'intensité des lits. Dans la même proportion, si on regarde, toi, on est à peu près dans la même proportion. Mais, quand tu vois les chiffres par rapport au lit avec les gens dedans, par exemple pour le coronavirus, ça fait que nous aurions eu, en France, 112 000 lits d'hôpitaux en plus. Et même en soins intensifs, ça fait 20% encore de plus. Puisqu'on a dégagé ceux qui n'étaient pas complètement mauvais, là, on les a dégagés chez eux, on les avait en ambulatoire, comme on dit. Et donc c'est quand même, je trouve, c'est un exemple relativement précis qui montre l'importance des réductions qu'il y a eu au cours de l'histoire. C'est pourquoi, alors que théoriquement on est dans la même Europe, gouvernée par l'Allemagne, avec en plus des principes de ultra-libéraux qui sont appliqués encore plus, semble-t-il, en Allemagne que chez nous, comment c'est possible qu'eux arrivent à préserver des choses alors que nous, non ? Peut-être quand même que les directions des hôpitaux ou des agences régionales de santé allemandes ont freiné plus le politique qui voulait réduire plus tôt. Jean-Claude, est-ce que le coronavirus cache une crise financière qui était déjà là ? Nous allons tous vivre des moments difficiles les jours d'après, car la récession sera dure. Certainement plus de 10 points de PIB. Depuis la crise de 2008, cette récession brutale menaçait en permanence l'ensemble du système. Et la crise du Covid n'a fait que l'accélérer. Les acteurs économiques les plus puissants vont chercher à tirer profit de cette crise sur le dos des peuples et des États, comme cela s'était passé pour la Grèce lors de la crise de 2008. Il nous faut être vigilants dès maintenant et ne pas se fier aux chants de sirène de Macron et de l'Union européenne. Ils nous font miroiter et valser les milliards, 50 par l'État, 750 par la BCE pour les 27 pays de l'UE. Mais ce sont des financements sur les marchés financiers. La BCE va ainsi prêter aux banques pour qu'elles prêtent ensuite aux États ou aux entreprises. L'orthodoxie financière sera respectée, mais la montagne des dettes des États s'élèvera encore et les peuples payeront l'addition de la rigueur. Dans cette économie capitaliste néolibérale, en Europe particulièrement, les peuples continuent à payer les factures de la surproduction. Avant, c'était les guerres. Maintenant, c'est le coronavirus. Les banques centrales anglaises et américaines ont accepté, elles, de financer directement leurs États respectifs et les entreprises par émission monétaire. La BCE n'a même pas admis le financement de coronabonds mutualisés, car l'Allemagne et les Pays-Bas s'y sont opposés. Pour la France, il nous faudrait financer près de 300 milliards d'euros. Faute d'accord européen, il nous faudrait retrouver notre souveraineté monétaire et obtenir un financement par création monétaire de notre banque centrale. Il serait possible également de créer une monnaie nationale alternative non convertible pour les échanges intérieurs. Mais c'est une autre histoire. Le sauvetage de notre économie devra se faire également en privilégiant la transition écologique et climatique. Nous devrons l'exiger. Enfin,
l'État ne devrait pas hésiter à être employeur de dernier recours dans de nombreux secteurs, sanitaire, culturel, social, éducatif. Tout est encore à faire. Mais les temps seront difficiles. Courage ! D'autant plus que pour l'instant, tous les acteurs d'alternatives politiques semblent très discrets. En référence à un article du Grand Soir, journal militant d'information alternative, qui cite Alain Badiou, Emmanuel Todd et Naomi Klein, le Covid-19 est un prétexte à beaucoup de tests sur la population. Alors, contrôle de la population, répression, hélicoptères, drones, communication, test d'obéissance de la police pour réprimer les gens, test de privatisation, dislocation de l'éducation nationale avec une éducation nationale à distance, test de vidéomédecine à distance, test de soumission des médias et des gauches, union nationale oblige, test de démolition du droit du travail avec les ordonnances. Le Grand Soir cite aussi Ambroise Croizat et ses co-détenus au bagne de la Maison Carrée de Alger. Comment ils ont prévu le CNR, comment en 1946 s'est mise en place la sécurité sociale. Il faut revenir sur les exonérations de cotisations patronales. C'est bien l'augmentation de ces cotisations qui, en 1960, ont permis au CHU de se transformer de mouroir en usine de santé. Bien sûr, il faut aussi nationaliser l'industrie pharmaceutique et la recherche scientifique et n'être plus pieds et poings liés tributaires de lignes budgétaires du capital. Bien sûr, il faut renverser la stratégie du choc. Avant de finir, le message de Christelle. Alors bonjour Christelle, je crois que tu avais un message dans la continuité de ce que tu as dit la dernière fois à l'autre émission, mais en plus sur la cantine populaire. Oui, bonjour. Ben, effectivement, pour faire relais à l'émission précédente sur la gestion de la crise sanitaire envers les sans-abri, j'ai pu remarquer comme une non-assistance en temps réel, une non-considération de ces populations. Je tiens à redire que les non-domiciliés font partie, au même titre que d'autres, d'une population en situation de fragilité face à cette crise sanitaire. Et qu'en cela, elle devrait, elle doit pouvoir compter sur notre soutien, sur notre solidarité et pouvoir ainsi bénéficier de toute notre attention. Solidarité, j'aimerais relayer que la cantine populaire située au 11 rue Béranger de la Tour à Aubenas, en lien avec les associations sociales du bassin, distribue gratuitement des repas bio pour soutenir notamment les personnes dont la situation de précarité est accentuée par le confinement. Elle le distribue donc chaque samedi de 12h30 à 14h. Une nouvelle équipe de bénévoles se mobilise pour réussir à concocter des repas dans des conditions sanitaires strictes, afin de soutenir le plus de personnes possible. Et tu disais en plus que tous ces gens se mobilisent chaque semaine, un vrai investissement solidaire. Tout cela dans l'attente, bien entendu, d'un retour à une situation où chacune, chacun, pourra retrouver des moments de convivialité et de partage à l'intérieur du local. Donc un grand merci à eux pour ce bel exemple de solidarité. Pour finir, il me paraît illusoire et malsain de considérer les personnes de la rue comme des êtres différents. D'autant qu'à travers cette ubuesque mondialisation, accompagnée de ces échanges commerciaux parfois ô combien aberrants, voire grotesques, les écarts se creusent de plus en plus. Ainsi, il faut savoir que chaque année, de plus en plus de personnes, à la suite d'un élément déclencheur qui peut être très commun, se retrouvent sans domicile. Demain, après-demain, ce pourrait être vous ou bien moi. En résumé, on veut des masques, pas des baillons. On ne veut pas que la France soit ce pays en voie d'enveloppement, comme disent certains à l'international pour se moquer de nous. On ne veut pas être à bord d'un porte-avions dont le commandant alerte les autorités en début de mission géostratégique et se rend compte qu'il ne pourra plus ramener son navire à bon port avec tous ses marins malades. Allez, ciao, ciao, bon courage à tous.